Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Parc Saint-Paul. C'est parti, générique! Saint-Paul, c'est 5 restaurants, 47 attractions, 3 spectacles. Sachez que vous avez le parking gratuit à l'intérieur du Parc Saint-Paul. La superficie du parc, c'est 27 hectares. L'ouverture du Parc Saint-Paul date de 1983. Il y a 6 montagnes russes. Il est situé dans la commune de Saint-Paul, dans l'Oise. Du coup, les amis, vous avez le Dino Disco qui est juste derrière moi. C'est vraiment une thématisation superbe. C'est sur les dinosaures. Suivez-moi, je vais vous montrer ça. Maintenant tu te fais là. Viens avec moi.
Oh, solo, mon fils, fais quelque chose. On va enfin en voir. Libère-moi, moi, fais quelque chose. Non, je suis viré. Ça va, toi? Il va falloir qu'on discute tous les deux, François. Il a pas un coup de vieux, François. Je sais pas si on va y aller dans la maison hôtel, c'est flippis. Vraiment. Je réfléchis. Ah, attends, il y a les consignes. Cette attraction étant dans le nom, nous recommandons à nos visiteurs de ne pas courir et de marcher lentement car le parcours comprend des marches et des dénivellations. Les boissons glaces, sacs sont interdits. Déjà nos socles. Gardez les mains libres pour vous tenir. Soyez prudents, les fantômes vous attendent. Je suis tombé. J'adore cette attraction. On va bien s'y perdre là-dedans. C'est sympa, c'est pas si impressionnant que ça. Par contre, ouais, le bruit, puis les lumières, les flashs, ça fatigue vite en fait. Mais après, ouais, c'est à voir, c'est marrant. Oh la vache. Alors franchement, attention à cette attraction, c'est vrai qu'on est dans le noir, donc on avance tranquillement, il y a vraiment des surprises qui se boulent, c'est très fort. Donc franchement, même pour un gars courageux, gaillard, vous sursautez quand même par moment parce que ça surgit d'un coup, ça fait « Oh, tu veux quoi toi ?» Donc attention à ça, mais ça reste une bonne attraction quand même. Pour le matin, ça envoie du coup. Les amis, on a fait la maison hantée, ça va, ça fait pas trop flipper. Mais bon, il y a beaucoup de bruit quand même. Je pense que pour les enfants un petit peu trop jeunes, ça vaut peut-être pas trop le coup de venir. Saint-Paul, donc pour 11 euros vous avez un menu, donc moi j'ai pris un américain qui est juste là, regardez, donc, vous voyez c'est quand même pas mal, il y a une boisson qui est comprise à l'intérieur et vous avez moi un petit flan portugais, comme vous le savez dans une précédente vidéo je l'avais goûté ce petit flan portugais et je l'avais adoré, donc il est de retour au parc Saint-Paul. Le parc Saint-Paul c'est un parc familial où on se sent bien, il y a beaucoup d'attractions, sachez que vous aurez peut-être pas fini toutes les attractions de la journée parce qu'il y a quand même 47 attractions,
Et du coup, moi, je vous conseille de venir très tôt le matin. Éventuellement, faites l'attraction qui vous intéresse le plus. Mais par contre, il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire pour toute la famille, petit et grand. C'est un parc avec énormément d'humour, en fait. Il y a beaucoup de petites blagues dans le parc et tout, quoi. Très thématisé. Et je pense que pour Halloween, c'est un parc qui va être vraiment génial. J'aimerais beaucoup y revenir pour Halloween et vous montrer tout ça en vidéo. Il est où, là, le patron? Il est où? Envoyez-moi le patron, là, maintenant, ça va. Qu'est-ce que t'as un problème? T'as un problème? Ouais, moi, j'ai un problème. Bah viens là, viens, on va le régler le problème. Ouais, on va le régler. Pilou, viens m'aider quand même. Bonjour. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running, running for you every day and night. Running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Franchement, ça me donne vraiment, vraiment envie. Ouais, et ça vous donne coaster. Donc, on va voir au niveau fluidité. Oh, si c'est bien ou si ça pique un peu. Allez, on y va. I'm running, running for you every day and night. I'm running, running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Je ne sais pas combien de fois. Ah non, je vous le recommande. Vous voulez faire un coaster voilà, qui remue, qui envoie, mais faites le Wood Express. Ah oui. Là, mais... pour remuer, c'est sûr que ça remue. Là, là, là ça mais remue. Franchement, alors, la petite descente là qu'on voit à l'extérieur. Alors, la petite descente, elle surprend. Mais alors, les virages, mes aïeux, et les bons. Ah non, mais allez-y, foncez tout droit. Let's go. D'ailleurs, on y retourne. On y retourne d'ailleurs. Deuxième prise. On peut aussi remarquer là. Voilà, c'est ça. Voilà. Yeah.
coup, vous n'avez pas beaucoup de monde dans les files d'attente. Après, attention, c'est pas encore les grandes vacances, ça peut changer, mais nous, pour aujourd'hui, ça a été impeccable. C'est quand même un dimanche, on a attendu quand même à peu près 15 minutes le plus d'attente. Alors, moi, je suis pas comme certaines personnes, du carrefour, ça fait peur. Je monte dans cette fiche tour. Je pense que, à mon avis, vous attendez des millions d'oiseaux qui est au moins de la montée. Et ça, je dis rien. Pas bien, là, c'est bien. Ça m'appelle une autre question où j'étais pas bien là. Qui commence par un T, mais dans un autre parc. Là, c'est la même sensation, je suis pas bien. Ça, c'est pour le bien de la chaîne YouTube, ça. Mais il y a une belle vue de là-haut, hein. Il y a beaucoup de la vue, moi je veux descendre. Le lac est magnifique. Un dernier mot pour ta femme. Je t'aime, chérie. Je vais mourir. Je m'en fous. La moitié. Ça vaut la moitié. Mais c'est quoi cette attraction? Pourquoi j'ai accepté de monter dedans? A few minutes later. Ah ouais, c'est pour le pas arrêter. Je croyais qu'on était arrêté là. Mais non. Oh putain. Ah, pourquoi j'ai ouvert les yeux? La descente, ça va. La descente, c'est nickel. Je valide. La montée, non, pas du tout. Moi j'adore quand c'est comme ça, un petit par l'attraction, c'est avec des glaces. Elle est bonne la pistache. Sachez que les prix dans les boutiques sont vraiment pas chers, surtout la nourriture.
franchement, c'est vraiment pas cher. On peut comparer à certains Disneyland Paris, bien sûr, qui vraiment, voilà, je vais vous citer juste ce petit pot qui est là. Regardez, ça c'est au moins 10 euros à Disney, ici c'est 3,50 euros. Et à Disney, il tire. Bon les amis, on va faire un petit tour de bateau, ça, voilà, on va découvrir. Hein. La promenade dure une bonne dizaine de minutes. En vous remerciant, je vous souhaite un excellent voyage. Elle sent respirer. Ah ouais, tout en apnée. Bon, on a remarqué que les jeux, ils ont du souffle quand même. Moi, j'ai repéré aussi les jeux de sauvetage. Il y en a 100, non ? Moi, je voulais dire un peu vite, tant pis. Hein. Vous pardonnez ? Ouais. C'est parce que c'est pour gagner du temps. Bon, du coup, les amis, c'est un peu le Molly Brown comme à Disneyland Paris. Sauf que, bah voilà, on a un chauffeur qui est hyper marrant. Quoi. Donc, c'est rigolo. Tu vois, allez, moi je vais à la pêche. Regardez, il y a des gros canards. Je suis désolé. J'ai fait exprès. Regarde, ouais, elle bouge. Attention, elle tombe. Je te jure qu'elle bouge. Elle était en PLS. C'est moi quoi, en train de tourner là. Oui, t'es en train de virer. Ouais. J'ai pas du tout l'air rapide. C'était quoi là? Alors attends. Script, s'il vous plaît. Roméo, pourquoi es-tu revenu? Renie ton nom. Parce que je m'appelle Roméo, moi. Moi, je me suis trompé de personne, pardon. Oh, ben, Henriette, Juliette. Henriette, t'es sérieux? Voici la version 2022 de Roméo et Juliette. Bon, tu vas lui donner ces fois? Bah, ben, je les donne, mais elle ne les prend pas. Excusez-moi quand même. La taille de ce trampoline, les amis, c'est incroyable, il est gigantesque. Maintenant ça, j'en ai marre, c'est pas ma journée. Qu'est-ce qu'il y a? Faut arrêter, c'est pas la journée de la hauteur aujourd'hui. Je suis pas un perchiste.
Non mais on est perché, pourquoi? Non mais pourquoi on s'arrête là? Sérieux. Comme par hasard, on s'arrête, mais le poil on est plus haut de la tour quoi. Plus haut de la roue quoi. Ah ouais, c'est plus drôle. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu la taille de cette boutique de gourmandise. Ça envoie du rêve. Donc faut y aller. Alors Pilou, ça se passe bien? Je suis fatigué les amis. On a passé une excellente journée au parc Saint-Paul. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais des bisous pour le samedi. On se dit à bientôt. Bisous les rêveurs.